Je vous souhaite la bienvenue à ce premier Repair Café qui est mis en place dans le Saulnois. On l'a appelé Repair Café parce qu'on a conservé l'appellation internationale. Par contre, on aurait pu l'appeler atelier de co-réparation, parce qu'il s'agit bien de ça. Il s'agit donc de réunir des bénévoles de tout lieu, de tout âge, de toute bonne volonté surtout, qui ont des compétences. Et ces compétences, ces bénévoles ont envie de les transmettre. Donc c'est déjà une première victoire. Et elles les transmettent vers les personnes qui viennent et qui sont intéressées. Ces personnes apportent des objets divers et variés. Et il faut bien se dire que ces objets-là, c'est la dernière étape avant la poubelle. S'ils ne sont pas réparables ici, eh ben, ils iront à la poubelle de toute façon. Alors ce sont de petites réparations, parce que vous avez vu par vous-même qu'on a vraiment, on n'a pas d'outillage, quoi. Alors, ce qui était important pour la MJC et pour nos partenaires associatifs, l'Union départementale des MJC, le Avoine, la Sajuco et l'inventaire du Prévert, qui nous ont vraiment bien soutenus dans la mise en place de notre projet. Donc ce qui était important dans cette activité, c'est qu'elle répond à un besoin social actuel. Se retrouver, échanger, apprendre, transmettre, elle touche toutes les générations. J'en profite d'ailleurs pour dire un grand merci aux réparateurs qu'il y a ici et aux jeunes. Vous avez vu, tout le monde a tenu à mettre un t-shirt jaune pour ce... Voilà. Mais c'est super bien que les jeunes soient là, et je dois dire que leur sourire et leur bonne volonté à la réunion de préparation m'a réchauffé le cœur. Voilà, je tenais à le dire. Je suis persuadée que chacun, association, commerçant, artisan, municipalité, habitants et bénévoles, ont une place et un rôle à jouer dans ce Repair Café. Nous allons donc continuer à œuvrer sereinement dans ce sens, mais finalement, c'est bien là une mission des MJC et Centres sociaux. Voilà. Je vous remercie encore une fois, et j'ai vraiment à cœur que vous soyez bien accueillis et que les choses se mettent en place d'elles-mêmes, encore une fois, en toute sérénité. Voilà. Merci.